Voyez, cette attitude, quand la personne est agressée, je vais venger. Non, ne faites pas cela. La Bible dit, au Proverbe 20-22, « Ne dis pas, je rendrai le mal », mais elle conseille, « Mets ton espérance dans le Seigneur et il te sauvera ». Soyez cette personne. Quelqu'un fait quelque chose contre vous, vous en souffrez, tu vas voir. Non, ne dites pas cela. Espérez le Seigneur, mais espérez en priant pour cette personne, parce que sinon il va la détruire. Dieu ne prend pas ça en considération, mais bénit cette personne. Et quand vous avez un présent à cette personne qui vous hait, il répercutera, apportant beaucoup de bénédictions pour vous, parce qu'ainsi est notre Dieu. Voyez cette bénédiction. Mon épaule. L'épaule. C'était les deux épaules. Quel âge vous avez? C'est 78. 78. Vous levez votre épaule jusqu'où, le bras? Je le levais avec des difficultés. Avec difficulté. Et là, maintenant, maintenant. À présent. Levez-le vite. Levez les deux. Vous pouvez les lever. Et là, mes frères. Oh, gloire à Dieu, quelle bonne chose. À présent, je priais. Père, je suis uni dans la foi en ce jour, ô Dieu, de la fin du mois de juillet, pour bénir toutes les personnes. Et au nom du Seigneur Jésus, j'exige que ce mal s'en aille, qu'il lâche cette vie, qu'il disparaisse. Il ne peut plus continuer. Ô esprit de maladie, de souffrance, vous êtes attaché, enchaîné, vaincu, et j'ordonne. Lâchez cette personne, allez-vous-en et ne revenez plus, au nom de Jésus. Amen.